dans les coulisses du pouvoir en Algérie, les tensions politiques s'exacerbent entre le président Tebboune et l'état-major de l'armée. Une rencontre diplomatique avec Emmanuel Macron a semé le trouble et révélé des dissensions profondes. Les relations délicates entre la présidence de la République et l'armée algérienne sont mises à l'épreuve. L'absence de consultation préalable du chef d'état-major de l'armée algérienne a provoqué un véritable séisme institutionnel. La discrétion entourant la rencontre secrète entre Tebboune et Macron a suscité l'indignation au sein de l'institution militaire. Les décideurs de l'armée voient d'un mauvais œil ces rapprochements personnels entre les présidents. Les intérêts géopolitiques divergents entre la France et l'Algérie accentuent les tensions. La surveillance étroite des relations franco-algériennes est jugée cruciale par l'état-major de l'armée. La proximité entre Tebboune et Macron inquiète les responsables militaires. Les enjeux sensibles tels que le Sahara occidental et la question palestinienne rendent ces liens personnels sujets à controverse. La rapidité avec laquelle Tebboune a rencontré Macron a surpris et déconcerté l'armée. Les implications de cette relation privilégiée pourraient avoir des répercussions majeures sur la scène politique nationale. Les tensions entre la présidence et l'armée révèlent des divergences profondes sur la gestion des relations internationales. Les choix diplomatiques du président Tebboune sont scrutés avec une attention particulière. Les dissensions au sommet du pouvoir algérien soulignent les enjeux stratégiques et les rivalités internes. L'équilibre fragile entre les sphères politiques et militaires est mis à rude épreuve. La méfiance grandissante entre Tebboune et l'armée révèle des fractures profondes au sein de l'appareil d'État. Les implications de cette crise institutionnelle pourraient redéfinir l'équilibre du pouvoir en Algérie. Les intérêts nationaux et les alliances stratégiques sont au cœur des tensions entre Tebboune et l'armée. Les jeux de pouvoir et les ambitions politiques se mêlent dans un contexte de rivalité exacerbée. La rencontre avec Macron a déclenché une crise politique majeure en Algérie. Les réactions vives et les débats houleux révèlent les lignes de fracture au sein de la société et des institutions. Les conséquences de cette rencontre diplomatique sont lourdes de signification pour l'avenir politique du pays. L'équilibre fragile entre les pôles de pouvoir est fragilisé, laissant présager des bouleversements majeurs. La diplomatie entre l'Algérie et la France est soumise à des tensions inédites. Les enjeux géopolitiques régionaux et les intérêts nationaux se télescopent dans un contexte de rivalité et de méfiance. Les répercussions de cette crise diplomatique dépassent les frontières nationales. Les regards se tournent vers l'évolution des relations franco-algériennes et leurs impacts sur l'équilibre régional. La gestion de cette crise politique met en lumière les fragilités du système politique algérien. Les défis internes et externes s'entremêlent, posant des défis majeurs à la stabilité du pays. Les réactions de la population face à cette crise politique sont contrastées. Les appuis et les critiques se multiplient, reflétant les clivages et les aspirations divergentes de la société algérienne. L'avenir politique de l'Algérie est suspendu à l'issue de cette crise. Les scénarios possibles oscillent entre la résolution pacifique des tensions et des conflits internes aux conséquences incalculables. La nécessité d'un dialogue national et d'une médiation est de plus en plus pressante. La sortie de cette crise politique dépendra de la capacité des acteurs à trouver des compromis et à restaurer la confiance. L'équilibre fragile entre les institutions et les acteurs politiques est mis à l'épreuve. L'avenir de l'Algérie se joue dans les méandres de ces tensions politiques et des rivalités de pouvoir. Dans ce climat de tensions et d'incertitudes, l'Algérie se trouve à la croisée des chemins. Les décisions prises dans les prochains jours pourraient sceller le destin politique du pays pour les années à venir. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.